peuple haïtien. Jodi an c'est 25 septembre 2024. Information ça que nous joignent sous compte Twitter président William Ruto qui c'est président pays Kenya. Nous pas jouer avec elle. Est-ce que nous songez septembre 2023 là nous t'a construit canal là sous plateforme YouTube Infobeto. Il t'a dit nous que t'as une préparation que t'as faite pour que dans force multinationale que Ariel Henry a bataille pour te rentrer dans pays hein gain en pile uniforme force Kenya qui étant coûte déjà préparé avec tout matériel solide pour mettre sous des militaires noirs la caï voisin et militaires ça yo c'est en pile là-dedans yo yo parlons tical créole parce que majorité là-dedans yo c'est petit haïtien. Gen des détails que m'pas ka retourner sur les encore pour m'ba li parce que nous rivé dans phase côté que balanti en fragile. Mais ça m'a dit nous gardez m'dans les yeux. M'a gardé dans les yeux. Nous pas ka quitter ça passer. Qui est-ce qu'on est derrière elle? Jocelyn Brivère. Monsieur oligarque yo. Yo pas décidé pour que pays a développé. Mais yo décidé pour qu'elle comme ça. Pour c'est yo qui chef pour Haïti castilité ti la cou de la caille pays voisin. Pas oublier insécurité a crasé touriste nous. 31 décembre. Kadem nan zye non. 31 décembre 2023. Nan pou nta kana. Voisin un bail bilan quand il était touriste quand il a caillé et vérité il t'a parlé oui et pas menti il t'a baou 30 millions t'as bien oui 30 millions touristes qui visitaient caill voisin pour année 2023 seulement 1er janvier 2023 il était bail bilan ça et vérité il t'a parlé ça veut dire que 30 millions touristes quand il a caill voisin un chiffre qui peut plus que habitants qui sont toutes îles. Surtout dit, il y a pas 23 millions d'habitants. Nous comprenons. Tenez bien. Autant de commis comme voisins d'entrée, le ministère du Tourisme, 11 milliards de dollars américains. Nous pas entre dollars. Tenez bien, toujours. Parce que je ne pas la veine. Secteur touristique, nous crasé. Ça crasé. Et sécurité généralisée. Ça qui fait ça. Gang armé, nek qui charge les armes, tap kidnappé moun. Et puis ça qu'on est passé. Voisin fou campagne. Depuis en 2021, marché tout côté dit que Haïti gon insécurité généralisée. Et que la pande yon support d'aide militaire internationale pour pays. Nous t'étendez ça. Nous pas dit, nous pas t'étendez. T'étendez bien. M'a dit non, ça pas dit ça pour moun t'étendez non. Voisin a ville nous tout côté t'étendez. Voisin montre que l'a cherché aide pour nous, li prend pitié pour nous, pendant que voisin se chaque et kako nous l'a pleuvé, l'a mette tout ni. Ça qui passe, voisin connaît volume insécurité ya dans qui niveau li en Haïti, parce que voisin ouvre porte la kaili pour bal la sorti avec zamnan, rentre la kaili nous, parce que porte nous pas jamais fermé. Mais voisin quitte bagay la sorti, mais il pas quitte en rentre non. Voisin aide pour la kaili nous. Voisin kon situation nous, kon ya voisin parle de nous. Voisin fait comme Sim Dadjo. La prendre des support pour nous, la prendre aide pour nous. Et puis, sortant de yon, voisin se avili, la avili nous, le monde entier. Ouais, parce qu'il n'y a pas de possibilité pour Haïti rentre, pour étranger rentrer en Haïti. Et puis, sortant de yon. Par le fait que, même soleil la gagne le cas voisin, même petit soleil qui gagne Haïti ya, parce que même zile ya, même température là, tout touriste yon, rentre cas voisin. Voisin font promotion sur le temps touristique, li pari. Et m'a bravo pour lui, oui, il est extrêmement intelligent. Ou qu'on a dit tout sauf les deux, mais intelligent pile. Parce que la Kali pa gen ressources minières. Mais la kriye, propre ressources pa yo, même Jean, Dubaï a fait, même Jean Kata a fait, par exemple, dans pays arabe yo, gen des réserves que yo gagnent, réserves pétrole, yo dit, yo était environ 25 ans pour finir exploiter yo. Mais ça veut dire que ça, l'argent que yo gagnent, dans 25 ans finir exploiter richesse que yo gagnent, et en bas la mer, on a pétrole. Dans 25 ans encore, 25 ans, les Haïtiens sont
Hé, hey, j'en ai parlé rapide là, papa. Mon titan encore là, 25 ans, m'a gagné 50, combien de temps, oui? Hé! Hey. Ça veut dire que Dubaï, Qatar a fini d'exploiter ressources li, qu'on y a là, qui sont qu'on est au fait. Ils ont investi. Nous, c'est le bail qui a attiré touristes. Est-ce que vous comprenez? Qu'on y a là, le monde entier, pour éterniser sous capital que touristes là, qui a rentré. Et pourquoi ça a passé? La Chine te dit, pour l'année 2023, il recevra 30 millions de touristes. La Dominicanie, qui c'est le petit pays qu'on connaît, recevra 30 millions de touristes. Comment c'est comprendre? Ça veut dire que si Haïti a une sécurité, a une stabilité, a la paix, on garantit que nous avons recevoir minimum 10 millions. Et bien, 11 milliards de dollars américains, monsieur recevoir, nous avons 4 là-dedans, nous avons 3.5. Monsieur a pris 6.5. Le ça, nous avons pris comme nous tout pour ce que tu touristes pas nous. Le ça, Madame Dominique, tu es capable de ministère du tourisme, ou cherchons une femme comme ça, ou cherchons 3-4 belles mesdames, ou mettez. Même parce que la Dominicaine, nous sommes au fait. Vous prenez belle Dominicaine, vous mettez dans le secteur touristique là, dans le ministère du tourisme, et puis vous mettez au fait pour vous faire promotion pour vous, l'État investit dans vous. Vous apprenez bien, oui. Vous faites à l'école, à bien de l'intelligent. Et puis, vous mettez Timounio là, il a fait promotion, et puis lui-même tout comme président. Il avait invité les gens venir entrer dans le pays, vous entendez, l'on entre dans le pays, le président a déplacé pour aller aux touristes. Le président a demandé, vous pouvez venir investir dans le Kobo là, parce qu'il y a une sécurité, parce que le président a déplacé, a marché pour Dakar, a fonctionné, ou il a gagné la vie. Et l'État dominicain est toujours investi dans le espace là. Il a eu de construire une usine là, mettez là, et puis il a dit 60% dominicains a travaillé dans l'usine là. Est-ce que nous là? Eh bien, je dis, je veux nous connaître que même l'idée que nous avons gagné en 2023, c'était utiliser des uniformes et policiers Kenya pour habiller des militaires noirs voisins, qui sont haïtiens, oui. Habiller nos haïtiens, oui. Petit haïtien, oui. Ils sont noirs. Il y a un pile tout dans Nolte, le bras de Santiago de los Caballeros, dans l'autre ça. Il y a un pile dominicain noir, qui c'est black, beau black là. C'est petit, petit haïtien. Il y a un petit uniforme. Policiers Kenya sur eux. Pour vivre une opération dans le pays d'Haïti. Ça connaît passé. Jocelyn Brivère était au courant. Monsieur Oligakio au courant. Ariel Henry au courant. André Michel au courant. Équipe Ariel là, bien sûr, yo au courant. Mais ce qu'a fait là, la fête pour qu'il y ait Haïti. Dans chaque lieu là. Parce que n'est-ce pas, après tout ça que vous fait, pour vous finir avec Haïtien, puis y a style que mon haïtien va mourir. Yo ba manger empoisonné, mon la pirède. Yo voye sang qui gagne sida pour te limiter durée de vie nous, pour te connaître durée de vie nous. Yo nous la pirède. Bon Dieu te fait pour nous en 2023. Nous te kembe 27 pochettes sang qui gagne sida sous frontière là que médecin haïtien t'a pas lâché l'autre frontière. Oh, avec des sida a sorti la carte dominicaine pour entrer en Haïti pour foutre nous sida. Y a connaître durée de vie nous. Yo voye que mais pas grand quantité haïtien ou gagne sida, pas la compliqué. En Dominicaine dans zone Igwe, yo comptabilisé dernièrement et 3300 alors 3600 combien et dominicain qui gagne sida dans Igwe seulement oui Igwe m'a dit haïtien qui Igwe mettez capote tendez mettez capote ouais jodi a c'est 25 septembre le mois du 26 c'est à fête point ça veut dire que c'est date me fête mal avait fête point et que avait dit que bon entretien là bon entretien avait dit si mon entretien pas fin compte là je me trop même sûr que mon entretien là OK eh ben qu'on a le ça passé ou même sous gain trentaine tout ou en Dominicaine mettez ti capote la Dominicaine pas bon n'a pas parlé sous ça oui pas trop t'en a fait n'a venir sous ça attendez bonne ba non l'autre bagarre encore non et monsieur Koulev cette traite yo organiser là alors organiser des réunions jodi a gien qui sous zone tout bagay n'y a pas décision pour évoquer Dominique Dupuis côté madame nan côté li la Dominique Dupuis moi pas d'accord ou pas dire mais tout pour pas d'accord sans avoir ça sous qui t'ai révoquer moun pour mettre l'autre moun là y a connait que c'est gros chef y a connait que pas doit aller et ben ça nous mande nous même nous mande au tabou la raza on pote bourré cigare koni paton sans avoir même janeg yo si m'do pas saisi. Mais madame, yon besoin évoqué, madame Dominique. Tade non. Si gare koni, pas de vin avec quel en fait. Pour yon sa kul d'a fait. C'est à éradiquer sa gueule là, oui.
Joueur là, il a fait complot pour évoquer Gary Conny. Mais qu'on y a, est-ce qu'on a dit fort ou pas évoquer Gary Conny? Non. Ou a dit tout clairement, tabou la raza. Gary Conny plus facile pour craser conseil là, ou les conseils là craser Gary Conny. Faut nous comprendre ça. Et c'est là, bah, là, important pour nous, oui. Si tout ça fait là, il était toujours préparé pour faire. Il y a une façon, ils mettent tête ensemble, les plus craser bataille peuple là, pour faire complot, pour voler pouvoir peuple là, ils mettent tête ensemble. Mais l'autre temps, ils ont besoin de prolonger. Ça a gagné comme accord. Puis ils veulent diviser. Pas oublier, non? Les pour te voler pour volant, qu'on me monte, réclamer, écoutez dit, c'est commandant Guy Philippe pour ta belle. Il était caché dans un téléphone. Il a fait complot sous dos comme peuple, avec CARICOM, avec blanc étranger. Vous comprenez? Et, ou même comme peuple, il voit les policiers venir vider balle sous, venir physio. Vous voyez les militaires venir physio. Et bien, comment ça passe? Là, ils ont filmé tête ensemble pour un pouvoir. Ils ont volé entre eux. Ils ne sont pas ministres de la gâteau. Vous comprenez? Ils ne sont pas ministres de la gâteau, fait l'obéir. Les gars volent, mettez boubou, mettez tout garçon, garçon qui est folie femme dans toute boîte, l'état, tout bagaille, fait tout cas, t'es causé. Et puis, par la suite, les suspects que, tant, si j'ai marché rapide, rapide, sous de la limite, yo, de l'air qui est au gain, hein. Et alors, bah, connaît, ça, on te bat tête, yo, on t'y a marché, yo, dit, tu fais, t'as prolongé le point, prolongé, comment ça passe? Yo, divisé, les yo, divisé, yo, font triangle, yo, chaque al non prête, dans trois prêtes là, ou j'ai un gars qui non prête, ou j'ai un coulef, c'est très temps prête. Et pour jeune système, nan, avec tout journaliste système, nan, tout militant système, nan, dans l'autre point, à tirer ficelle, le ça ou même comme peuple, majorité, il dit, vin côté, journaliste, journaliste après l'eau, oui, politicien après l'eau, journaliste après l'eau, et puis gars, il après l'eau, qu'on y a jeune tour, le trois points après l'eau, parce que trois points là, c'est toi ennemi, ou, en ça, entrepreneur, c'est toi ennemi, ou, qui là, qu'on y a ça doit faire, ou, tout le trois à tirer ficelle, yo chaque la gonra vin derrière de yo. Yo chaque agon ravine, qu'est-ce qui ravine? Ou même, parce qu'on campe avec manchette ou, rachou, gazoline ou namon, mais y a cherché support, qu'on y a conscience de fait. Ou le corps, paraît dans chaque, et partie, ficelle anglan, ou bien partie anglan, coupé code là. Pour yo chaque al blai, yon ba, le yo blai, fout di fe sou tout. Kakane yo, parce que pas oublié. Ouais, je dis, si nous kap parle de, militaire dominicain probablement capable de rentrer sous sol papa de saline, non? Nous pas faire l'enjouer. Premier, ça n'a pas fait. Un. Et puis, nous t'as suspect. Yon grand soldat dominicain. Revenu à Haïti. Soldat va intéresser nous. N'a pas cherché qu'on côté chaque grand nec qui t'a collaboré avec Ariel Yé. N'a pas coupé deux pions, coupé deux brettes yo. N'a le vidéo sous chat basse là. N'a qui ça? Et puis, nous suspect. Yon grand soldat dominicain. Sous sol papa des salines, oubliez soldat, mais quittez soldat, pas bien occupé. Pas quittez deux soldats. Cherchez chaque grand nègre qui t'a côté arrière. Par exemple, André Michel, Lenel Kassi, Major Michel, Don Kato, tout nègre te connaît. Quittez nan, tout nègre te connaît t'a côté arrière, quittez nan tout les jovenel yo, filez manchette tout nan nan yo. Ou gen droit. Ou t'a dit non. Ou ça relè, c'est beaucoup peut-être boule kaye là. Le monde entier pral gado le ça. Ou a fan yo en deux. Parce qu'ou gen droit ça. De vous suspect. Soldat dominicain met pile à terre dans pays d'Haïti, pas dit rien. Et pas dit même quand dominicani, pas dit rien. Gardez non. Gang n'a venu pour collaborer avec elle, collaborer avec elle. Pour qu'a fan politicien. Et que toute gang prend zam comme chef fan politicien. Tendez bien, oui? Même si tu es victime de gang, de pour suspect que soldat dominicain sous sol là, cherche qui contrôle contre de Michel Lier. Premier moun pour prendre de Michel. Après, ou al grenema, nan grenema yok ou a contrôler bougon avec gang. Nan. Parce que pour dire ce qui s'appelle ta prise d'ampo là. Mais premier monde pour éliminer, c'est chef de gang qui est dans la politique là. Bon, avancé. Et il y a besoin de révoquer. Et Dominique, t'as pile parole qui a parlé là, oui. T'as pile qui a parlé là. Dominique doit révoquer, blablabla, go cause, tolo, loy, wolo, loy, yala, la. M'a dit nous ça, pays. N'a pas sorti quand même. M'kwè ça. Et m'a tout préparé. Ça pour me dire avec agent Bessap Moyo. Dans le pays, pour Pipiti, nous avons 30 000 agents Bessap. T'as bien, oui? 30 000 Bessap volontairement qui va être tête pour servir le pays. 30 000. Imagine aussi l'État a dit comme ça que, moi, le fait, on passe même, on passe dans le passoir pour prendre un jeune garçon. Yo. Ou avoir un minimum 15 000. Faut calculer. 15 000 ou acheter 15 000 mitraillettes. Longe Bayo. 15 000 9 mm ou longe Bayo. Et puis, ou le quoi, ou divisez 15 000 en troupes. Ou j'ai une machine pour bailler. Au moins, ben, moi, 15 000. Et ou dit comme si ou achetez au moins, ou achetez, ou 3 000 machines.
ont 3000 machines pour mettre à disposition. Acheter gros camion, acheter comme si gitan prè ou là, ba une formation dans un engin lourd. Vous comprenez? Faire qu'on manœuvre, nettoyer canal, on utiliser yo, préparer yo pour capable veiller forêt, veiller frontière pour l'état ta doit utiliser yo. Tendez non. Depuis nous chef Haïti n'a pas utilisé Bessap, oui. Et Bessap pas gagné espoir ça, oui. Bessap pas dio. Quel que soit candidat ou on va le supporter ya, camper derrière nous parce que me garantis ou. Et puis nous prend pouvoir ou ces premiers troupes qui n'observent ensemble avoir pour aider pays ou. Me garantis ça parce que moi que nous gain volonté parce que nous ba tête nous volontairement pour servir pays nous. M'observe avec nous. Me promettre nous ça. Et n'a supporter candidat capable gagner. Parce que n'a présente au lit. N'a présente au candidat qui parle gagner et c'est lui qui a gagner. Nous te dit ça. OK, nous te dit ça. Luis Abinadel parle dans les Nations Unies et jodi a ça le dit. Je le remercie aussi et le secrétaire général pour l'organisation. Nous parlons courir tendez intervention président dominicain qui c'est Luis Abinadel. On va le courir regarder si je ni là non. Et très important oui. On a le courir regarder si je l'intervention président dominicain qui c'est Luis Abinadel parce que et pas oublier non, quand pile cause qu'a parler dans pays là, papa. En pile cause qu'a parler oui. Président dominicain qui c'est Luis Abibi et monsieur parlé. Aïe. Et gros causé oui. Luis Abibi parlé dans les Nations Unies mais Luis Abibi et monsieur dit bagarre là qui est extrêmement important oui. Qui nous doit souligner. T'aime dit nous tendez bien non. Pas jouer. Nous pas jouer avec Abibi. C'est ça me ca dit non. C'est ça m'a ba nous comme conseil, nous pas jouer avec Abibi. Parce que n'a pas prendre de Abibi. Ou à chaque sortie Abibi, ou Abinadel, li pas annoncé que tout plan participer qui est sur Fel, président pays Kenya. Président pays Kenya, William Ruto, monsieur Fel, Kounya là ou même qui sort de fait. Tale oui. Et intervention président dominicain qui c'est Luis Abinadel, on va voir si met à mettre li sous et on va voir si met à mettre pour nous. Valeur si madame était pour nous pour nous attendre intervention président de la République dominicaine qui c'est Luis Abinadel. OK et bah oui tout à l'heure dans mon petit temps mais entre-temps m'a dit nous qu'il y a un complot qui a fait là pour révoquer et Dominique mais c'est nèg coulève cette traite yo qui besoin remplacer le pas monde pa yo que nèg a tenté y a déplacer pion et ou capable d'y sauver. Ça qui est important pour nous, c'est que c'est tabou la raza. C'est nettoyer, retirer toute ravette net, retirer tout cancer, retirer tout criminel, retirer tout moun sal yo, et puis justement nous-mêmes, pour que nous capables et résoudre le problème nan, définitivement. C'est ça qui est important pour nous. Et j'aime dire là, nous pourrons faire notre temps d'intervention, président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, parce que monsieur fait parler dans les Nations Unies, et je dis la même, faut le courir de ça, monsieur dit en français, d'accord? Et dans la langue française, nous allons attendre l'intervention Luis Abinadel. Et pas oublier, il y a une pile cause pour me dire non, oui. Ce dossier, ça qui parle là, papa, intervention militaire, ça. Entendez, Abinadel. Aussi, je le remercie aussi, ainsi que le secrétaire général, pour l'organisation couronnée du succès de cette 79e session et pour l'organisation couronnée du succès du sommet de l'avenir. Cet effort ambitieux a souligné la nécessité de renforcer les financements internationaux pour assurer la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, et confirme notre volonté sincère d'œuvrer pour un avenir et un futur de paix, pour le bien-être des citoyens, pour le respect des droits humains et des valeurs démocratiques. Je tiens à insister sur le fait que, dans le cas de la République dominicaine, nous avons réalisé des progrès considérables au plan des ODD, réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire, durabilité énergétique, sécurité citoyenne, action climatique, pour ne citer que quelques exemples. Attendez, oui. À titre d'exemple, la pauvreté monétaire a diminué de 25,8% en 2019 à 23% en 2023, en dépit de la pandémie, des effets de la guerre, et au premier semestre de cette année, nous avons atteint 18,9% le niveau le plus bas de notre histoire.
En estos cuatro años de gestión, ces quatre dernières années, nous avons plus que doublé les dépenses allouées à la protection sociale. Notre politique agricole a été essentielle pour garantir la sécurité alimentaire et préserver la rentabilité pour les producteurs dominicains. A pesar de ser una isla, bien que nous soyons une île dotée de ressources en terre arable limitées, nous sommes passés de 88,5% d'autosuffisance alimentaire en 2009 à 90,6% en 2023. Nous avons dans une grande mesure atteint l'autosuffisance dans ce secteur. En cuanto a la generación, en ce qui concerne la production, la transmission, la distribution d'énergie accessible et non polluante, nous avons enregistré des progrès significatifs. Nous avons aussi considérablement amélioré la réglementation du secteur de l'électricité. Nous avons lancé la construction d'un système de production de 2 000 nouveaux mégawatts d'énergie thermique. Nous avons aussi contacté 1504. Oui, messieurs, dames. Abinadel a expliqué lui-même ça qu'il fait comme réalisation la Cali, avancement qu'il fait, qui progrès qu'il fait sur le plan énergétique. Et tout a été bagaille net. C'est des bagailles tête chargée. Et ça, là, tu n'es pas menti, non? C'est des vérités absolues. OK? C'est des vérités absolues. Mais ça parle pour le pays. Ou M. Diou, comme ça que, lui-même, dans le pays, yo, et M. Parle, il a parlé de énergie. Écoutez, ça, c'est important. Mais dis-moi, nous avons qui peut parler dans la société, est-ce que le cas parler de énergie? Est-ce que le cas dit faut que pays a gagné courant? Est-ce que le cas dit faut qu'il y ait besoin des experts qui pourraient aider ou pour pays a gagné courant? Pour qui ça ou pas? Comme si ça pas intéressé parce que tout simplement, bon, il y a les Dimitri Vop qui contrôle le secteur énergétique là. Mais lui-même, il décide pour le faire comme là dans ça, mais faut que le peuple ici arrête dans le coup. Non, blackout là. Ou après, Abinadel, il dit à ce que faut que le peuple gagne courant. Et moi-même, moi vivre en Dominicani. Moi vivre ça. Et c'est de véritable solution. Mais et jouer, jouer à Abinadel, non pas jouer. Les jeunes, aussi des criminels, gangs, sales là, qui ont pris genoux, et bien, jouer une possibilité à la foutre pris genoux tout. Ils ne parlent pas, ils ne parlent pas, ils ne nous pas, ils ne parlent pas, ils ne parlent tout. Mais la fait ça qui est bon pour le peuple. La fait ça qui est bon pour le pays. Il va m'en donner pour le peuple. Vous comprenez comment ça doit faire? Ça l'a dit, tendez-y. Et vous comprenez, vous dites tout clairement, je vais me dégager émotion sous politicien. Je vais gérer avec ça. Et pour filer manchette tout, rachou, ou commencer à parler de politiciens. Jusqu'à ce qu'on prenne au grain par grain. Et pour un pays, l'homme ou l'envoyé dirigeant à la Nations Unies pour être capable de parler des progrès qui fait. Ça qui fait dans chaque secteur. Qui ça qui avance qui fait. Mais quand on a vu une pleine misère seulement, on a parlé de 500 000 haïtiens qui ont un grand goût, Abinadel pas venu parler de ça là. Abinadel pas venu parler de pauvreté là. Il va y avoir comme si on a dit, qui ça qui a fait comme avancer, qui a un peuple qui a avancé. Qui situation peuple était qui dans qui niveau lié kounia ça Abinadel vinn di. Mais nous-mêmes seul exemple nous prend 86 83 84 86 82 84 80 comme si nous détruit Haïti net sa kvel mais groupe nèg devant nous il a fait politique yo là yo fout détruire peuple nous quitter à marcher devant nous toujours nous pas jamais éliminer ou là-dedans yo mais Abinadel fait carrière nous en tande toujours non parce qu'il va aider Haïti renouvelable mégawatts déjà en opération. Grande partie du système fonctionne déjà. D'autres parties sont en construction. D'ici fin 2027, pour la première fois, nous afficherons un excédent de plus de 15% de production, ce qui nous permettra davantage de stabilité, la durabilité et de meilleurs prix dans le secteur de l'énergie. La sécurité citoyenne s'est aussi considérablement améliorée. En 2022, le nombre d'homicides dans notre pays était de 13,2 pour 100 000 habitants. En 2023, il avait atteint 11,5 et pour 2024, nous sommes actuellement à 9,9. Cet indice est en deçà de la moyenne de l'Amérique latine et des Caraïbes. Selon les données de l'ONU, ce chiffre est de 17,2. Nous restons déterminés à lutter contre la triple crise planétaire. Changement climatique, perte de biodiversité et pollution. Jouons un rôle de premier plan dans la création du fonds pour les pertes et préjudices. Nous avons atteint l'objectif de 30% pour 30% de protection de notre territoire maritime. Ces questions cruciales exigent toute notre attention, mais la réapparition de la guerre et la violence nous oblige malheureusement à nous concentrer sur cette urgence regrettable. Depuis son adoption en 1945, la Charte des Nations Unies nous a bien servi, mais
se han acumulado una serie de retos y desafíos que hoy desbordan su marco institucional. Persiste, qui déborde son cadre institutionnel. Comme le soulignait le secrétaire général en son discours d'ouverture. Il existe un consensus généralisé qui dit que nous avons urgentement besoin d'un nouveau modèle de gouvernance mondiale. Un modèle qui suscite davantage de confiance et qui permette davantage d'efficacité dans les décisions prises par ce concert de nations incontournables. Pour la République dominicaine, la priorité est un engagement en faveur d'un multilatéralisme efficace et renouvelé. Cette approche est nécessaire pour garantir le respect du droit international, pour protéger les nations face aux menaces mondiales qui compromettent sa sécurité et son bien-être. En l'absence d'une action concertée fondée sur des principes, les fondations de la communauté internationale continueront de s'affaiblir. Depuis sa création, la République dominicaine a été un peuple épris de paix, attaché au règlement pacifique des différents. La perte de milliers de vies innocentes, enfants, personnes âgées, est intolérable. Raison pour laquelle nous haussons la voix. Abinader a menti. Depuis la création dominicaine, un peuple qui croit en Dieu. Non, pas ça. Et peut-être, nous ne pas reconnaissant tout quelque part. Nous ne pas reconnaissant Dominicaine était dans des situations qui étaient extrêmement compliquées. Est-ce que tu es un Dominicain vrai? Est-ce que une nation qui est Dominicain vraiment? Mais faut qu'elle regarde quand on sortit qui origine ou qui est scoyé, tel bagaille, tel bagaille. De toute façon, parce que l'important là de défendre ce bloc parlant, et nous avons aller dans l'histoire ou bien côté de sortir, c'est qui histoire ou bien tout. Ou bien, sinon, elle n'est pas passé, nous avons dit quelque chose. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas le critique. Il y a même dans l'espace côté vivre, le territoire côté de l'OEA, qui dit que c'est la Dominicanie et qui c'est la Dominicanie pour tout le bon vrai. Il y a fait de lui, ça qui est lié, et sous quatre mondiales là. Les gens représentativités, ils ont entendu sur ça. Mais nous-mêmes, nous avons des vagabonds, voyous, sans coutia, ou comme ça m'a dit, qui parlent de l'amour pour l'espace côté de l'OEA, côté de fait là. Et bien, naturellement, il y a fait que le pays a presque disparu sous quatre mondiales là. Abinader, lui-même, il a fait tout ça qu'il est capable pour la Dominicanie, quand il est au top, sous Zéléa. Et il a fait nous devenir la couleur de la caillou, tout autant que nous quitter exister, politiciens, ça a toujours. Si qu'on ne prend pas toute disposition. Parce que n'y a pas bon vague, il n'y a pas bon chance. On regarde pour chaque politicien haïtien, chaque semaine, il y a un bagaille. Jodi à la bataille, il y a entre eux, il y a entendu demain, il y a mis ton pouvoir, après ça, il y a même encore. Il y a venu là où il y a venu à la conférence de presse pour dénoncer même pouvoir ça. Pouvoir, c'est pouvoir, il y a pas même venu à l'atelier, il y a été écrasé. Écrasé pour que je ne l'attaque encore, pour la situation qu'on paye. Alors, il continue comme ça. Ça veut dire que le pays a continué dégradé dans le niveau ça. Chaque grand politicien a encore le fait. Pour 15 là-dedans, lâche à manchette, foutre du feu sur eux. C'est couper tel boulet calier et pour après, ça va venir la paix. En Dominicanie, c'est une situation qui était présent. 92, 93, 94, c'est fini. C'est qu'il rache moun, couper tête moun, boule moun. En 1994, dirigeant dominicain, tu prends toute disposition pour que, eux-mêmes, personnellement, ils étaient organisés pour que, ils étaient capables de prendre disposition pour gagner la paix dans le pays. C'était moun même, j'avais noté. Ils t'entendent, yo. Ils étaient fondés par ce point de soi. Mais je dis, maintenant, tout politicien haïtien, mais si on met tête nous ensemble pour nous sauver le pays, en vérité, bon Dieu, il a réfléchi avec les gens qui gagnent contrôle la douane, contrôle Banque Centrale, contrôle BNC, contrôle DGI, contrôle ministère des Finances. Ça seulement, les gens qui pas la peine. Ils sont à tout, ils ne pas battre ensemble pour payer ça. Mais la Dominicanie, ce n'est pas un grand monde qui monopolise, c'est tout le monde qui monopolise. Les gens qui gagnent l'argent, fait l'argent plus parce que le pays est instable. OK? Les gens qui gagnent plus gros investissement, fait plus scope parce que le pays est en stabilité, parce que l'argent circule. Mais moun, en Haïti, les gens font façon pour que les gens qui ne gagnent pas, pour rester dans la pauvreté extrême, pour qu'on seul casse cap dominé. Ce n'est pas possible. Alors en Haïti, pour ce seul groupe moun qui a droit pour faire maquette en Haïti, les gens qui ont commencé à monter un petit mini maquette, les secteurs privés veulent assassiner. Ou pas son gêne Delma 40B, les gens qui décident de mettre un mini maquette dans Delma 40B, qui est le Matilis Pierre. C'est dans le cas, si oui, avec Ralph Chevry, qui prend le fantôme 69 qui a assassiné monsieur. 3 février 2021. Sous commentement de DCPJ. 12 février, DCPJ la gon avis de chèche derrière Ralph Chevry. Ralph Chevry pété courir depuis le salle par Haïti. Nel Kassi, yon la joué son invitation pour lui. Pour lui venir répondre à une question de DCPJ, 21 février 2021. Allemand de DCPJ. C'est pas toute preuve tangible dans Mel que Ralph Chevry, avec Nel Kassi, assassiné Mathilde Pierre. Depuis le salle où j'aime tendre Ralph Chevry, j'aime parler dans Micro La Presse. Il connaît le coupable, mais ça qu'il faut connaître le barbacode. Parce que, t'es une opposition gang avec un l'État qui t'est tolérant sous Jovenel, qui pas de prêt. C'était moi qui t'es chef. La Dominicaine, t'as pu voir Ralph Chevry venir. N'a pas de sac fatouille.
ou t'as m t'as physio tout si volé t'as fan ou en deux en autant de Luis Abinadel nous pas bien jouer Abinadel pas faire vieux commentaire pas jouer pas dire rien sauf que dit Michel Guérison sur tout ça que le pral dit de Haïti on a attendé pour exiger avec énergie la protection effective de la population civile conformément aux normes du droit international humanitaire. Il existe une théorie solide qui veut que les démocraties se font rarement la guerre les unes aux autres. Nous, Dominicains, sommes convaincus que la promotion de la démocratie est un élément essentiel pour l'édification d'une paix durable. La démocratie ne peut pas se réduire à un système de procédures mécaniques. La démocratie doit être une réalité vivante qui transforme la vie des citoyens. Monsieur le Président, nous sommes à un moment charnière pour la démocratie en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces dernières décennies, nous avons été témoins d'une détérioration préoccupante de la qualité des systèmes démocratiques et dans l'appui qu'on leur accorde. Selon l'Institut de sondage Latino Barometro, l'appui à la démocratie a considérablement diminué entre 2010 et 2021, alors que l'appui à l'autoritarisme augmentait sur la même période. De multiples facteurs expliquent ce recul, notamment les séquelles des nombreuses crises économiques mondiales qui sont devenues cycliques depuis la fin des années 90. Mais il est un autre facteur tout aussi important, à savoir que les citoyens ne perçoivent plus les avantages tangibles de la démocratie et sont préoccupés par le personnalisme, la corruption. Le problème de confiance dans les institutions démocratiques. Ici, nous constatons une tendance à se maintenir au pouvoir. Dans le cas de l'Amérique latine, nous constatons des réélections à l'infini. Ces 30 dernières années, cette tendance a augmenté, sapant la démocratie. Nous avons l'exemple du Venezuela et qui conjugue concentration du pouvoir, persécution de l'opposition et censure des moyens de communication. Sans la transparence qu'exige tout processus électoral, sans aucun fondement et règlement, la crise ne fera que s'aggraver. Nous continuerons d'insister sur la publication des documents des élections, leur vérification des résultats de cette élection. En l'absence de la publication de ces documents, nous ne pourrons pas déclarer un vainqueur légitime. L'alternance au pouvoir est un élément essentiel pour garantir un exercice politique responsable et réellement participatif. La démocratie repose sur un principe fondamental. Le perdant doit accepter la défaite et exercer une opposition loyale, constructive. Un autre principe démocratique dispose que le vainqueur a le devoir de ne pas faire plier son adversaire. La démocratie ne peut pas être exercée uniquement pour et par les vainqueurs. La majorité doit garantir le respect et l'inclusion des minorités qui jouissent d'autant de droits et doivent être traités avec équité et justice. Monsieur le Président, le 19 mai dernier, le peuple dominicain m'a réélu dans le premier tour des élections pour un deuxième et dernier mandat présidentiel. Nous avons atteint une majorité qualifiée dans les deux chambres du Congrès. Attaché au renforcement de la démocratie dominicaine, j'ai présenté très récemment une réforme constitutionnelle au Congrès de notre pays, laquelle vise à consolider les limites imposées aux réélections présidentielles. Deux mandats consécutifs et c'est tout. Cette réforme propose de renforcer la stabilité politique et sociale pour les générations futures. Il s'agit d'instaurer un principe général clair et robuste. Le pouvoir est toujours transitoire et doit être au service de la population. Monsieur le Président, toute démocratie exige un engagement en faveur de la défense des droits humains, un élément essentiel de la protection de la dignité et de la liberté de chaque individu, un élément essentiel de la légitimité du pouvoir politique. Le gouvernement dominicain est particulièrement attaché à protéger les droits humains au niveau national et international. Cet engagement fait partie intégrante de notre politique extérieure qui établit la promotion, la défense des droits humains, un de ses principaux piliers. Ici, il n'est pas question de calcul, de manœuvre, uniquement de principe. Ainsi, la crise en Haïti mérite une attention toute particulière. Depuis plus de 3 ans, l'instabilité... Là, Abinadel a parlé de la République d'Haïti. En autant des
et avec un pile d'intérêt parce que nous avons parlé de la caille, non? Et j'espère que nous agissons avec sérénité, pas trop besoin et non laisser frapper, non dire des propos dans l'espace commentaire là. On a évité ça parce que tout ça qui est important, c'est que Abinadel, l'inan doual pour qu'elle dit, ne va pas salver, hein, parce que si que, on ne pas bail, de pas capra. Ça veut dire que tout ça, mis à dire, c'est parce que nous avons des nègres qui étaient des politiciens et qui mettaient ensemble, mais on l'a d'ailleurs, mais on vole là-dedans, mais ni, avec ta couche Justin Briver, qui était allé investir Luis Abinadel en Dominicani, qui cause Abinadel qui a dit, ne pas bail, en dehors des messieurs. Dans ce pays voisin est à l'origine d'une pression considérable sur notre sécurité. Nous demandons avec fermeté l'implication de la communauté internationale qui doit jouer un rôle de premier plan et durable pour stabiliser la situation en Haïti. Il s'agit là d'une nécessité stratégique. Il en va de la sécurité de mon pays et de toute la région. L'État dominicain a assumé des responsabilités importantes face à la crise en Haïti, des responsabilités qui vont bien au-delà du normal, fournissant des services essentiels à une population arrivant en nombre du pays voisin. En 2023, les services de santé fournis aux migrants haïtiens représentaient 9,9% de tous les services fournis par notre système de santé publique. Par ailleurs, aujourd'hui, près de 200 000 mineurs étrangers se trouvent dans les écoles publiques dominicaines. On estime que 147 000 sont d'origine haïtienne. Ces données reflètent... D'ailleurs, 147 000 petits haïtiens, l'école en Dominicanie, selon les statistiques. Est-ce que c'est menti? Bah quoi c'est menti? Bah quoi démenti ça? 9% et service dans le système santé, haïtien pour service ça. Véritable solé. Vérité. Femme haïtienne, yo dans tout l'hôpital dominicain, a jeté un coup d'œil après. Et vous avez récemment là, Tichine qui se représente en famille Lavalas, dans le cette tête là qui est laissé Voltaire, là elle prend soin dans l'hôpital dominicain en Dominicanie. Allez dans tout couloir l'hôpital dominicain, vous avez une charge haïtien. Côté ma palavre là. Ça, yo. Mais pas oublier, système santé Abinadel là, recevoir des grosses subventions dans la communauté internationale là pour que l'État va gérer et comme si d'adjou, besoin ça, yo. Parce qu'il n'y a pas fait comme ça, non? Il n'y a pas fait comme ça, non? Il n'y a pas avec l'argent de l'État dominicain, non? Il a supporté, monsieur, mais quelque part, est-ce que nous devons rendre responsables? Ou du moins, est-ce que nous devons critiquer pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas de raison, tout, en dehors d'elle? La charge économique et aussi cet humanisme de la République dominicaine. Mais à nous seuls, nous ne pouvons pas soutenir ces efforts. Plusieurs résolutions ont été adoptées au Conseil de sécurité et enfin, on a pu commencer à envisager un chemin vers la stabilité avec la création du Conseil présidentiel de transition et l'arrivée de la mission multilatérale d'appui à la sécurité en Haïti. Je saisis l'occasion qui m'est offerte de remercier le Kenya et le président Ruto qui ont détaché la plupart des effectifs qui appuient la police nationale haïtienne. Et merci aux États-Unis qui assument une charge financière et logistique extrêmement importante. Merci aussi à la Jamaïque, aux Bahamas, à El Salvador qui ont aussi contribué à cet effort. Merci à la CARICOM, des efforts déployés en faveur du dialogue et de la concertation en Haïti. Mais à ce jour, seuls 400 membres de la MSS ont été déployés. Or, nous en avons besoin d'au moins 2000 pour qu'elle puisse fonctionner. Et pourtant, aujourd'hui, le Fonds d'affectation spéciale pour Haïti n'est pas doté des ressources nécessaires pour parvenir au plein déploiement de cette force et atteindre les objectifs de pacification et d'appui à la tenue à terme d'élections libres, justes et transparentes. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus à ce stade, du fait du grand sacrifice, mais à un an avant la tenue de ces élections, les conditions ne sont pas réunies pour les organiser. Nous ne pouvons pas permettre que ces efforts soient vains, sinon l'effondrement d'Haïti sera imminent et l'effondrement aura des conséquences qui dépasseront le pays et toucheront toute la région. La mission est source d'espoir et permet d'espérer un retour à la normalité, un échec
signifierait d'opter pour des mesures radicales pour préserver notre sécurité nationale. Il est inacceptable à ce stade que certains des pays qui sont à l'origine de la situation en Haïti ou se sont engagés à trouver une solution n'aient pas respecté pleinement leurs promesses. TH Denise. Voilà. La sécurité nationale de mon pays est en jeu et tant qu'elle le sera, je ne cesserai pas d'exiger la stabilité d'Haïti. Monsieur le Président, la République dominicaine et le gouvernement que je préside continueront de collaborer avec la communauté internationale dans la solidarité et de manière engagée pour atteindre les ODD. La situation à l'échelle mondiale exige que nous agissions d'un seul homme en tant que concert des nations mus par un objectif et une vision commune de l'avenir. Nous serons jugés par l'histoire et pas simplement à l'aune des discours que nous prononçons au sein de ces illustres assemblées, mais plus important à l'aune des actions que nous allons mener dans la pratique. Nous ne pouvons pas laisser nos peuples tomber. Nous ne pouvons pas laisser tomber l'humanité. Nous ne pouvons pas laisser tomber notre avenir. Merci. Voilà, pardon, c'était Luis Abinadel, président de la République dominicaine. Est-ce que M. font un discours qui dérangeait? Peut-être n'a pas ça. Et après, on va voir ça après, mais pour le moment, ça qui est important, c'est que, et Gombagay qui est clair là, qui doit être clair pour nous, ok, Gombagay qui doit être clair pour nous, c'est que responsable, tout ça qu'a dit, tout mal de nous, tout ça qu'a dit sous de nous, c'est pas Abinadel, c'est politicien nous qui va Abinadel dire, mais on est sur écran. Monsieur volait tout comme quelqu'un a volé Haïti, là, investi en Dominicanie. Mais qu'on y a là, nous devons mettre au devant fait accompli côté que Abinadel doit prendre avec ça, sans avoir ça pour la critiquer. Et lui pour le foutre dehors là, Kaeli. OK? Monsieur, c'est le. Abinadel peut être jeune monde pour aller visiter Haïti, dans l'investiture. Monsieur, allez, oui. Non, Haïti, par contre, sous qui base, avec qui qualité, monsieur, allez, oui. Avec qui type, monsieur, allez. Bah, qu'on est. Mais juste l'aime privé d'aller. Vous comprenez? Vieux cadavre politique, gâté ça. Même dis-nous, c'est cadavre politique, ça, yo. Tout autant que nous quittons ce monde. N'a toujours connu des bagages difficiles, des bagages compliqués. Et c'est nous pour prendre engagement, pour une responsabilité, nous, pour qu'ils nous permettent que le pays aille en autre. Demain, si Dieu veut, ma live ensemble avec nous, parce que si y'a fait moins, ma pas direct avec nous, restez branché, ok? Ensemble avec InfoBeto, ma live ensemble avec vous, demain, si Dieu veut, alors demain après-midi, ma pas direct ensemble avec vous, à partir de 6h boule de l'après-midi, n'a live ensemble avou et pour nous faire parler pays même qu'on a pile dans nous avance tout moins bonne fête m'a pla avec nous m'a pla avec nous c'est ça en avance non et on nous retire sans avoir les privés à sur écran mais sauf que n'a pris pour tourner sur monsieur parce que ça li extrêmement important pour nous faire parler avec et bonne conseil ça yo bonne criminel ça yo gien lui même gien Jean Rizier oh, mes amis nek ça ou gien cob. Au moment où t'as dit, situation pays d'Haïti arrivé là, nous finis riche là-dedans, nos systèmes corrompus qui nous mettent sous pied, nous finis là-dedans, mais si on nous baille vague, on nous facilite le peuple à capable fonctionner, on nous parle avec les oligarques qui vous disent que nous mission de payer en chance, on nous finalement met tête ensemble pour nous quitter pays à marcher, on quitte le peuple à fonctionner, on nous aide à récupérer les armes, on nous aide à mettre stabilité, mettre la paix, on nous facilite la diaspora haïtienne capable d'entrer dans le pays, on nous facilite pour que le pays ça fait élection pour que le dirigeant que le peuple a voulu venir diriger. Comme si nous n'avions pas que ça même, nous n'avons pas que ça la caille nous-mêmes, monsieur. Comme si nous essayons d'attaquer les gens qui ont le pouvoir pour nous faire le même système de sagent lien. Non. Nous pas capables. Nous pas capables. Nous voulons pas capables. Et me dit ça très bien. Nous allons quitter ça, continuer. Voilà. Et même nous quitter Goumen pour te mettre couleur cette traite sous pied. Je dis à moi, je Goumen pour écraser couleur cette traite là. Il y a un pile de cap fait là. Maintenant, pile par la parler. Bataille pétée pour t'avoir révoqué. Ministre Dominique Dupuy. Il y a un pile monde qui fait intervention. OK? Et il y a un pile monde qui fait intervention. Mais il y a une intervention qui fait, il y a un journaliste senior dans la Coupe d'Haïti qui peut être un pile dans nous respecté, qui est Valérie Nima, qui fait une intervention pour parler avec un conseiller qui lève cette traite, qui est Leslie Voltaire, qui se représente en famille Lavalas. Nous connaissons qu'elle prend un thé ça, dans New York. Dans l'espace national, sans qu'elle parle vraiment gagner en préparation que tu faite pour lui, une invitation spéciale pour qu'elle devine parler dans les Nations Unies. Et, gagner naturellement, Valérie Nima qui font intervention côté que, ils font-ils parler sur ça?
Maintenant, ça qui est important. Nous voilà, faut attendre des réactions ça, parce que il y a un peu l'intervention qui fait sous le CSAO, dans le moment ça. On a le faut attendre. Valérie Numa qui t'a parlé de Tichine qui c'est côté Tichine il est là, côté Tichine. Ok, mais Tichine. Voltaire sans honte passer le pagain. Négla va la ça. On a de Leslie Voltaire qui t'a fait parler de monsieur. On avance. Yeah, non. Je dois attaquer président d'Haïti. Période. Ok? Période. Maintenant, bon, l'autre côté, le dégain doit dire ça tout. Qui va faire défaut. Exemple, on a dit question discours l'appli pour mon qui président d'Haïti. Hein? Mais comme c'est lui l'appli, donc à ce moment-là, l'elfin il tape et cite le nom président, donc lui-même c'est un messager, etc. Mais là encore, il tape très stupide. Ok? Mais non. Il y a 9 présidents, c'était un président qui t'a parlé. Ok? Mais qu'on y a, gardez pour nous, nous pas ouais, c'est, non, bagaille que les civils t'a parlé. Nous pas ouais, c'est eux, même au niveau de la présidence, qui fait l'équipe de les civils t'a. Nous pas ouais, c'est eux, même qui font notre sortie, ou communiquer, pour présenter ça, M. Tabdio. Nous pas ouais, qui occupé de ça, les civils t'a Tabdio. Qui ça fait écho? Nous pas ouais, c'est Brimad qui prend dans l'ambassade de Brésil là. Nous voyons ça qui fait écho. Nous voyons c'est parce que vous bloquez là qui fait écho. Nous voyons discours là grand qu'un effet. Le discours là grand qu'un effet. C'est incident seulement, oui, que vous focus sur. Tout le monde qui fait reportage, c'est incident, oui, vous fait reportage. Nous voyons parler de notre bagaille. On prend un incident, ça, par exemple. D'abord, est-ce que c'est un incident? Oui, c'est un incident. C'est un incident diplomatique, lui. Couvrir le coupable. Mais, écoute, et pas parce que m'a parlé de moi, non? Même pas pendant ça, les civils de bras, non? Non? M'a pas pendant ça, les civils de bras. Pour une raison très simple. Si nous déjà qu'on a un cafouillage ça, nous déjà qu'on a une confusion ça. Parle mettre tout. Écoute, avant même de venir à l'ambassade, la femme d'a assuré que je suis attendu. Justement. Avant, vous savez, je vais expliquer nous ça, regardez, vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit, on est prudent. Non! Avant de arriver, et puis il a fini tout. Je ne pas tout niveau officiel ça que je crois mieux. Pour mal camper devant porte pour me tendre yo bagaille non bagaille ça on t'a supposé gagner une délégation qui vient prendre devant la machine là ya c'est-à-dire qui gagne protocole haïtien qui gagne protocole brésilien qui pour venir chercher par rapport à grade que me là. OK, porte machine non ouvert, moi descend donc m'accompagner par deux protocoles ça yo et puis qu'on y a pour me passer d'ailleurs même si t'as grand affaire de garette, grand affaire de rayon X, nous t'as supposé éviter ça parce que bon même si sonné c'est pas grave parce que moi son officiel de haut rang. Alors comme si m'ta dou m'arrivé moi soi-disant son président bon conseiller présidentiel et puis m'arrivé devant un petit barrière. Et puis, pour qu'on ait un agent, probablement qu'à peine qu'on lit, ok, on a qu'à dire, je ne parle pas d'un homme sous lisse, et que, et il ne peut pas rentrer. Humiliation. Mais, écoute, Leslie Voltaire, pas obligé qu'on ait un homme sous lisse ou pas. Mais, protocole haïtien, tu supposes qu'on ait. Est-ce que tu as un protocole pour lui? Que non, Leslie, parce que c'est pas l'homme où il est là pour rentrer. Je vous montre que ce pays, il y a rien, même. C'est supposé que moun ki responsable protocole yo, yo te supposé qu'on est assuré que non Leslie Voltaire sous liste là et pas aller arriver pour t'aller garder travail ça te supposé fait au préalable. OK? Travail ça te supposé fait au préalable. OK? Moi même yo invité mon mariage. D'accord? Et puis le moun y vient dans réception mariage là.
En général, je n'ai pas aimé la réception. Bon, les amis ont insisté pour m'aller, Ok? L'homme rivé, il dit moi et non moi. Et puis, mon cap gardé, dit moi pas un homme. Ok? Maintenant, moi dis bon, seul ça me connaît et moi j'ai été invité et en plus de ça et les mariés confient même que mais sous qui table que mieux etc. Dame n'a juste dit monsieur j'ai juste gardé tous dit il pas un homme etc. Mais écoute mais qui débat m'bra le faire avec lui s'il pas un homme. Ok? Et mais à ce moment là moi juste dis ok d'accord moi prends machine moi et puis me montre la caille moi. Ok? Moun ki le moun yo apre lem yo rann yo compte que yo pa wèm yo relem nan téléphone moi répond le moun rive la kay moi. Ok? Je dis non ben comme ça tu dois revenir parce que c'est mais je suis déjà chez moi. Pour qui ça pour mal créer un incident. Non, pas besoin bailler comme ça. Ok? Pas besoin bailler comme ça. Ba expliquer nous ça qui t'est arrivé avec Bazin et non Ritzkinam main 2 eh ben OK moi chita malgré mes 4 invitations etc. Tu vas dire livrer ouais 4 invitations même si mes jeunes là à qui tu tout mandé moi je dis à titre de responsable espace là je me dis est-ce que au courant de gens ça a programmé. Il dit justement, il dit, vous faites mentir. C'est ça que ça me dit parce que vous t'apprenez que de pouvoir rentrer depuis devant, vous prenez carton d'invitation en amont pour rentrer. Vous prenez carton d'invitation en amont. Ok? Même je décidé que faut que moi balle carton d'invitation malgré mandant. Ok? Malgré mandant. Je provoque un incident carrément comme subalterne. Je me dis subalterne, tout pendant le responsable espace à main, ils sont subalterne parce que à mon n'a pas travail. Ok, donc on classe dans rien comme subalterne, je suis employé lié. Ok, mais leur fait excès à eux, mais excès à grand prix, excès à grand prix. C'est ça que fait les moins excès à eux, pas prendre au sérieux parce que bagarre ils ont pas fait, rien qu'un petit job y a pas rampé. Il va falloir toujours travailler à moun, justement. C'est ça lié au pari pire que travail à moun. Eh ben, ça, moi, dis-nous pas ta privé, m'a chita dans la machine, non? Par rapport à rien que m'y ait, hein? C'est protocole haïtien avec brésilien qui était supposé venir chercher. Ok? Bah, t'as capable d'arriver, dans tout niveau, ça, pour que c'est le roi le vérifier, et si vous êtes un homme, non, que pas un homme, etc. Regardez. Gamal, a insisté, comme directeur TNH, qu'il y a Gamal a dit, brésilien, que non, effectivement, j'ai son président, lié en Haïti. Et puis, brésilien a pris, je dis oui, non, mais bon, moun qui inscrit déjà là, bagay comme ça. N'y a gamme à l'abdi brésilien, non, et 9 présidents de Haïti. Et nous, est texte qui écrit, gamme à l'al sur Google. Est-ce que y'a nous ridiculiser tête, nous? Gamme à l'al sur Google pour le montrer, brésilien, mais 9 présidents, yo. J'ai fait une photo pour le montrer 9 présidents, yo, et tout chinois là-dedans. Ok? Bon, malgré tout, bon, y'a obligé de dire, bon, qu'on y a, comme gamin en mer d'école, là, c'est ça, bon, y'a foutu mission en fin de nos réseaux à tous les mêmes. Ok? Et puis, entre temps, Lula da Silva, rencontré avec Gary Conny, etc. Donc, au niveau de, représentation diplomatique, Nations Unies, Haïti, Nations Unies, il a laissé comprendre que il a demandé une audience privée
pour les Chinois, les Voltaire avec le président brésilien. Ok? Vous avez publié, vous avez demandé ça. Et qu'on y a un grand bail, qu'on y a un dagué, est-ce que de pour demander l'automatique? Sa réponse n'a parce que ça va publier lui-même. Par contre, c'était une réponse. Parce qu'on a toujours demandé une audience privée avec le président, pas un problème, non? Mais qu'on y a, est-ce que tu réponds par l'affirmative? Est-ce que tu dis positif? Il a fait ça. Parce que, diplomatiquement, bah, il va faire dans la bouche. Même si on a demandé là, il a répondu tout pour confirmer le tout. D'ailleurs, il y a une confirmation ça tout lui-même. Ok? D'ailleurs, il y a une confirmation. Ok? Nous-mêmes, comme si nous faisons toute façon pour que nous ridiculiser tête nous. Regarde les photos publiées pour Gaël Konigo avec le président Ignacio Lula da Silva. J'aime bien mettre mes sous l'estomac et PM nous. Comme si on a l'impression tout bagaille en est pas en faveur nous tellement nous stupides. Mais on va attendre que yo dit oui tout bagaille bien passé, yo était ceci, yo vient tel bagaille pour Haïti, yo était défendre tel ceci, yo était défendre tel cela, c'est pour me battre de bagaille ça. Parce que m'pa gete pour m'pa occuper un parti dans l'esprit, m'pa fait ça. M'pa fait ça. OK? Mais les six Voltaire sous émotion lui-même, il annonce une représailles. Il y a une tête qui va le couper. Oui, tête qui va le couper. Il y a une tête qui va le couper. Attendez, la diplomatie est du ressort de la présidence. La diplomatie est du ressort de la présidence, période. Période. Mais quand il y a Jean Barret la fête là, ministre Affaires étrangères, li redevable pas devant président yo, parce que le président yo n'est, mais li redevable carrément de la pratique devant premier ministre Gaïkoni. Clairement. Okay? Période, oui. Période. Quand il y a Andy ou gagné représentant Haïti dans les Nations Unies, la poursuivre l'ordre de qui est la poursuivre l'ordre de ministre Affaires étrangères. Oui. OK? Ministre Affaires étrangères lui-même. La poursuivre l'ordre de premier ministre lui. Ça veut dire que cette histoire de CPT, il passe en second plan, carrément. Mais le Lesti Voltaire dit, et, guetette qui va tomber. Mais, faut laisser Voltaire tout pas faire on servir collet tout nous. Mais c'est déjà là les moyens politiques. Et si laisser Voltaire vienne là et puis elle vient il pas grand qu'une tête qui tombe parce que je vous ai annoncé c'est que vous déjà entend nous que ça a fait. Oui, il va l'entendre avec Edgar Leblanc pour que pour les problèmes n'a posé pour que yo tranché. Encore une fois moi dis nous juste garder bataille qu'a fait là pour chaque texte que ouais gon texte qui pour primature, gon texte qui pour CPT. Juste garder texte pour eux. Même agence ou agence en ligne, yo, yo chaque gen campagne. OK? Yo chaque gen campagne. Donc, même j'en vois, c'est ça, me vous dis. De pour pas faire métier journaliste, c'est, ou gen quand on décide de défendre, etc. L'on déçu, y a pour ça tout de suite, oui? Y a pour ça tout de suite. Il y a des agences, par exemple, qui étaient pour des partis politiques. Et puis, on l'a bien pété entre eux pour X raisons. Et puis, ils ont divisé. Soit des agents, ouais, agences, ça, ils ont vendu des partis politiques là. Quand il y a à ce moment-là, ils ont pris même parti politique ça, ils ont décidé à foutre tout sur le cabrit. Donc, ça veut dire que nous parlons de métier journaliste là. Nous parlons de métier journaliste là, là, encore. Alors, ça n'a fait pas grand-rien pour nous avec métier là. OK. On parle avec le professeur Ewol Toussaint, bien content qu'a essayé de regarder qui bataille, il t'a ramené bon diable. Impliquer jeune pour comprendre le rôle média. Non sorti pour nous sortir tête nous
média gon grand rôle pour jouer. OK? Moi admire courage professeur Ewald Toussaint. OK? Mais pas diable. Il fait tout ça le capable pour le mettre sur rail. Mais je suis allé pas là avec me dit prof, oublier ça non. Dans ça nous est à la niveau tellement bas. Et raison que fait ça, c'est parce que la jeunesse pas intéressée avec les choses de l'esprit, parce que le pas avec les choses de l'esprit bah rien comme résultat concret. Ya. Et ça arrive là. Parce que il pas même prend monde qui extrêmement formé comme boussole ni comme modèle. OK? C'est juste un échantillon qui réfléchit sur ça. Parce que il y a des bagages que des mon a fait. Nous ouais, il m'a dit ça, moi il y a des monde qui réagit sur ça. Il m'a dit que par exemple, écoute. Ah oui, le monde dit passer tel pas intéressé. Non, moi dit non. Non. Depuis jour fait là. Jusqu'à jour moi contrôle là intéressé. Ya. Yeah. Parce que il y a des bagages n'a pas au coup qui pral tâcher moi-même m'pas besoin gagne héritage ça parce que gagne actif ou gagne passif gagne des passifs qui trop lourd pour m'accepter période vous voyez belle petite photo sur tout réseau pas un problème m'ga prend ça fait échange avec des monde bah comme ça pas un problème m'ga prend ça et pas grand aucune possibilité pour me prendre ouvrir la tia montrer le monde entier dedans menti. Menti. Ça va pas bagaille pour mon accepter. Menti. OK? De vous accepter ça, ou c'est même à mon période. Si vous acceptez que madame, tout le monde est dedans, tout le monde est dedans, et mais ou même tout, OK? Ou l'un qui se ressemble, ça semble, ou c'est même épavio, donc, OK, entendons-nous, et le bail est éclaté, retavel, etc. That's it. Là, nous avons un public qui vous consomme, parce que y a un public qui fait un café ça. OK? Moi-même, ça c'est moi. On fit manquer déshabiller l'en public, pas intéressé à elle. Période. OK? Li mette le tout uni, li ouvert la tial, li baille le monde entier avec une caméra garden dans, ça même d'abord pas plan environnement, li pas plan business, mais que sa qualification non. Moi rejeté pour mauvaise vie. Période. Très bien. C'était Valérie Numa de Radio Vision 2000 à l'écoute. Et Vision 2000, à l'écoute, l'émission ça, M. Gain, qui n'a pas fait parler sur la situation, alors sur le dossier, sur l'humiliation qui passait, et citoyen ça, qui est laissé Voltaire. Maintenant, il y a un pile d'autres monde qui fait des déclarations. Mais entre temps, m'a dit non que le dossier Abinadel a fait un pile parler de Lila, c'est un pile causé qui a parlé. OK? Et c'est un pile causé qui vraiment a parlé sur on sait de bagaille. Et tête chargée. OK? Et m'a dit non que c'est nous-mêmes comme peuple. En pile, il s'est dit si que le soldat dominicain qui était pile soldat n'a pas dit oui, pour qu'il nous connaît. Très important. Et. OK? Ça qui est plus important, c'est que ce n'est pas Abinadel qui est problème, non? Et si nous proposons que Abinadel c'est problème, non? C'est que n'a pas quitté côté cadavre là et nous allons créer côté séquelle là. Abinadel pas problème, non? Tout ça qui gagne là pour nous gérer, c'est que ces dirigeants pas nous pour nous redresser. D'accord? Et puis nous redresser, pour nous redresser situation nous, et là caille pas nous et garantir ou Abinadel a l'autre comportement avec nous-mêmes. Et m'a dit nous ça honnêtement, faut nous dire clair. Il est clair pour tout le monde nous de connaître ça. En Dominicaine, il y a en pile haïtien. En pile haïtien. Et tout ça Dominicain vient dire quelque part il a raison. Maintenant, pour qui ça a maltraité nous, pour qui ça physiquement a tué haïtien, ça c'est inacceptable. Nous avons critiqué Abinadel pour ça parce que M. Paimanis, M. Pamoun. Mais ça qui fait Aïssa Pédé, gonfère Dominicani comme ça. Parce que la CAI pas la vie. Parce qu'il y a kidnappé moun, il y a pris organe moun, il y a tué moun en Haïti. Ça qui fait ça parce que politicien rend pays invivable. Tout bagay la retombe sous dos, politicien criminel qui rend pays ça invivable qui fait que nous pas fonctionner dans le pays. Moi me dis, faut qu'Haïti capable vivre, Haïti capable fonctionner. Et faut prendre toute disposition pour pays ça vivable pour tout Haïtien. Et c'est politicien premier pour attaquer. Et pas critiquer Abinadel, mettez poste, riposte, tout bébé, non. Ça va porter résultat.
c'est politiciens haïtiens pour attaquer. Parce que yo méchant, yo pas sérieux, yo criminel en pile, yo pas respecté tête, yo pas respecté tête yo. Et nous dit que nous capable prendre des dispositions pour que nous gérer nèg ça yo. Et tout autant que nous quitter là. Pita Pitris pour nous, Leven Gonza. Pita Pitris oui. Pita Pitris. Et en nous fait attention. Ça veut dire que ça va passer là, li pas piti. C'est nous pour engager, c'est nous pour prendre responsabilité nous pour que nous permettre que pays en sorti dans sa que trouver là. N'y a pas monde, n'y a pas sérieux, n'y a pas honnête, n'y a c'est des criminels nous toi qui nous nous-mêmes nous devons engager nous pour que nous permettre que Haïti jeune route. 1er octobre Gabin là, c'est après entrer de classe. Ça pas gen monde qui pose problème ça. Qui anti monde a fait l'école avec ça gen là? Y a prend organe petit monde. Et moun ka fait trafic d'organe yo, yo besoin jeune moun pour prendre organe yo, organe ti moun. Ti moun 15 ans 20 ans yo, c'est moun ça va prendre organe yo plus. Trafic d'organe dans le pays, premier ministre pas veut parler de ça. Gen moun ki ose parler de ça, puis devant pas le critiquer. Parce que yo pas dit pour qu'ils soient met vérité ça d'yo. Ariel te dit les Nations Unies a dépassé 2023. Non, 78e Assemblée générale des Nations Unies. Mais dans 79e non, ti Chine répète parole là. Pas mal prendre pas mal prendre parole ti Chine. Pour mal prendre parole, Leslie Voltaire. Parce que ça, c'est important pour nous. Trafic d'organes en Haïti. Trafic d'organes en Haïti. Messieurs, dames, elle a bel et bien existé, mais elle a parlé pour causer à parler, parce que depuis que la parole l'a parlé, elle a parlé de gens compliqués. On nous prend une déclaration de Tichine encore, parce que je ne vais pas tourner sous lui, non? Mais honnêtement, je ne vais pas obligé de tourner sous lui. Même si M. Patrice Bozal là, je ne vais pas tourner sous lui pour que nous capables permettre qu'on comprenne la vérité. On a le temps de déclaration de Tichine qui te prend la parole comme quoi qu'elle est président d'Haïti, mais qui tout profite et dit le monde entier. Gon trafic d'organes qu'a fait en Haïti. Ça veut dire que Ariel te dit en 2023, dans 78e Assemblée Générale Nations Unies dans New York, en 2024, eh ben Leslie Voltaire, qui se représente en famille Lavalas, en dedans CPTA, monsieur répète-le dans Nations Unies. En attendant, tout de suite, monsieur fin fait présentation. Allez. Général, Excellence, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de ce sommet de l'avenir. Cet événement ne représente pas seulement une rencontre de dirigeants mondiaux, mais aussi un moment critique pour construire un futur commun fondé sur les principes de solidarité, d'équité et de justice. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis complexes, je tiens à souligner l'importance du pacte pour l'avenir que nous envisageons d'adopter aujourd'hui à travers ce sommet. Ce pacte symbolise non seulement un engagement historique pour un multilatéralisme renouvelé, mais aussi une opportunité unique de renforcer les structures internationales afin de répondre aux différentes réalités économiques, sociales et environnementales auxquelles nous faisons face. Le monde est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent, qui nécessite une coopération internationale plus forte et plus inclusive. Dans cette perspective, ce sommet offre une opportunité de revitaliser le multilatéralisme et de moderniser le système des Nations Unies pour qu'elle soit plus inclusive et représentative des réalités actuelles. Les mécanismes de gouvernance mondiale doivent être adaptés aux nouvelles dynamiques économiques et politiques et garantir que chaque nation, grande ou petite, ait une voix dans la résolution des crises mondiales. Cet événement majeur est également une opportunité de repenser la gouvernance mondiale en abordant des sujets tels que le financement du développement durable, l'égalité des genres et la protection de la biodiversité. En particulier, la réforme de l'architecture financière internationale est cruciale pour soutenir la transition de certains pays, en particulier les pays les moins avancés, les PMA, vers un développement durable. Il est essentiel de garantir que les bénéfices de la croissance soient équitablement partagés à travers le monde. Une des pierres angulaires du pacte pour l'avenir est l'inclusion des jeunes et la protection des générations futures. Aujourd'hui, plus de 1,9 milliard de jeunes vivent sur notre planète et leur participation dans les processus décisionnels est cruciale pour garantir une paix durable et un développement équitable. Trop souvent, les jeunes sont laissés de côté dans les discussions politiques et économiques, bien qu'ils détiennent un potentiel immense pour résoudre les crises globales, qu'il s'agisse du changement climatique ou des inégalités sociales. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement
s'engage à intégrer les jeunes dans tous les aspects de la reconstruction nationale. En collaboration avec la communauté internationale, nous veillerons à ce que les générations futures ne portent pas le fardeau des erreurs du passé, mais bénéficient des progrès vers la paix durable et la justice sociale. Ce sommet est une chance de renouveler cet engagement mondial en faisant des jeunes des acteurs centraux du changement et non de simples observateurs. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, Haïti est confronté à une crise multiple.